On commence par qui ? Julien, j'ai bien envie que ça soit vous. Je vous laisse découvrir un nouveau décor, notre premier décor, un quai de gare. Et sur ce quai de gare, bien sûr, une chanteuse qui vous attend, une chanteuse à la voix d'or. Ça vous dit ? Je vous emmène ? Allez, venez Julien, je vous emmène dans notre premier décor des Duos Mythiques. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien. On ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi. Viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Te chercher. Je reviens te chercher. Oh, yeah. Je reviens te chercher. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher du grand Gilbert Bécaud. Rejoignez-moi, Julien, Claire, Zaz. Magnifique voyage. Comment s'est passé ce voyage dans la plateforme ? C'est une première pour vous, Zaz. C'est super, puis il a des yeux passionnés, Julien. C'est vrai, vous étiez perturbée ? Non, mais il est passionné, donc c'est toujours émouvant de sentir quelqu'un qui donne, quoi. Merci pour ce cadeau, puis, Julien. Chanter avec une chanteuse comme ça, c'est un privilège.
Ce décor qu'Edgar, il vous a plu ? Très très beau, très poétique. Ça fait tout à fait penser au show des Carpentiers. Il y avait des décors comme ça. Décors carton-pâte.